Allez, coucou à tous, la compagnie, c'est Vivi. On se retrouve pour un nouvel épisode de notre aventure sur les Sims 3, toujours en compagnie de notre cher Jérémy Finot. Et donc aujourd'hui, le 20e épisode de notre petite aventure. Alors, déjà pour commencer l'épisode, on a pas mal de petites choses à voir pour débuter, se mettre en forme et voir un petit peu les différentes choses qui ont pu m'être demandées, voir avec vous deux, trois petits trucs. Alors, il faut savoir que pour moi, de mon côté, j'ai on va dire, quelques lacunes et quelques soucis au niveau des réglages sur ce jeu. Mais alors, ce n'est pas le seul, hein, rassurez-vous. J'ai de plus en plus de soucis. Alors, avec certains jeux, pas tous, en tout cas, les Sims 3 en font partie. Puisqu'à savoir que, alors il y a peut-être des gens qui ne le savent pas, car des gens nous ont peut-être rejoints récemment, j'en sais rien. Mais enfin, sachez que si vous avez rejoint l'aventure sur, enfin ma chaîne en tout cas sur les Sims 3, j'ai en fait une configuration mode d'ordinateur qui. Alors en fait, pour vous expliquer, je suis sur un triple screen. Donc c'est-à-dire j'ai trois écrans côte à côte. Bien sûr, je joue que sur un seul de ces écrans pour jouer aux Sims 3, sinon c'est pas possible. L'image serait complètement étirée, étendue sur les trois écrans. Alors il y a certains jeux, je peux jouer en triple screen avec les trois écrans. Je crois que c'est de l'affichage surround, ils appellent ça. C'est le cas notamment de Euro Truck, la carrière que j'avais à mes tout débuts sur ma chaîne. C'est une aventure que je joue. Alors je crois qu'au début je l'avais commencé sur mon PC portable, donc je n'étais pas en triple écran. Mais à partir d'un certain moment dans l'aventure, j'étais passé sur le triple screen parce que je n'avais pas ce matériel-là encore à l'époque. Mais maintenant j'ai ça depuis quasiment plus d'un an, je pense. Bon bref. Pour la petite histoire. En ce qui concerne donc les réglages de jeu, les Sims 3 donc, me posent souci à cause de cet affichage surround, donc de trois écrans. Et c'est d'ailleurs là où je vais ouvrir le petit chapitre, donc réglages et petites questions qu'on m'avait posées. Alors je crois que c'est Eline dans les commentaires qui m'avait demandé de parler justement de la fonctionnalité de réglage, de comment j'allais résoudre le problème. Et bien sache que c'est plus compliqué qu'on ne le pense et je suis moi-même un petit peu dépassé avec tout ça. Alors il y a peut-être des solutions, mais j'avoue que je suis pas assez calé en informatique pour trouver le problème. Alors peut-être que en cherchant, en fouinant à la longue, j'arriverai à te trouver. Là pour le moment, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis toujours configuré comme j'étais configuré à l'épisode dernier. C'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour vous, en tant que viewer, d'avoir une qualité quand même de vidéo qui soit quand même un peu mieux. Parce que pour vous expliquer, là on est tel que, et normalement vous aurez la même luminosité qu'à l'épisode dernier. Car on m'avait fait remarquer que les vidéos étaient trop sombres les premières. Et effectivement, je m'en suis même encore moins rendu compte là en refaisant certaines tentatives de réglage. En fait, à partir du moment où je vais vous montrer de toute façon les options. Où je vais cliquer sur afficher le mode plein écran, parce que je peux le faire. Et bien en fait, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la capture vidéo, donc avec le logiciel de capture, donc qui est OBS, hein, que j'utilise, et j'ai pas trouvé de réglage sur OBS après possible au niveau de la luminosité. Je pense pas que ce soit possible, tout simplement. Et bien en fait, il faut savoir que ça me rend le jeu beaucoup plus sombre. Donc du coup, on revient à une qualité beaucoup plus sombre. Donc ça ne m'intéresse pas, puisque vous recherchez quand même quelque chose de plus net, et puis ce qui paraît logique. Et puis même moi je me rends compte que de toute façon en revisionnant les anciennes vidéos, oui effectivement les premières étaient quand même assez sombres. Donc du coup je ne touche rien là-dessus. Maintenant pour vous montrer vite fait donc dans les options si ça peut au moins vous aider. Alors ça dépend comment vous allez être configuré. Mais pour ma part moi sachez que ça ne change strictement rien. Si vous avez par exemple qu'un seul écran, ce qui est je pense la plupart des réglages chez certaines personnes. Le triple screen, c'est courant, mais sans plus. Si vous avez donc qu'un seul écran et que vous jouez aux Sims, mais sans faire de comment de capture vidéo, hein, juste si vous jouez tout seul. Et je crois d'ailleurs que tu m'avais dit que tu avais le problème, donc Eline, hein, justement, c'est pour répondre à tes commentaires, surtout, principalement. Il faut savoir en fait que si tu actives, donc ici, activer mode plein écran, c'est marqué. Donc, toi, si tu as qu'un seul écran, je te conseille de le faire si tu joues.
Et normalement, ça devrait résoudre ton problème de défilement sur les bords. Donc, je peux vous le montrer. Et d'ailleurs, vous allez voir par la même occasion la différence de couleur. Et c'est là que ça me pose problème. Donc, si vous cliquez sur sur ce petit carré, activez mode plein écran. Je vais vous montrer un autre réglage à côté qu'il faut que vous ayez fait au préalable si vous voulez avoir le défilement sur les bords. Là, à l'heure actuelle, tel que je suis configuré, je n'ai pas cliqué dessus encore. Tel que je suis configuré, vous voyez, si je passe ma souris sur les bords, eh ben ma souris, moi, elle disparaît. C'est parce qu'en fait, tout simplement, elle se dirige sur les deux écrans que j'ai sur les côtés. Je joue sur l'écran du milieu, en fait, et sur mon écran droit et mon écran gauche, eh ben j'ai deux écrans encore. Alors moi, j'ai un écran qui me sert pour OBS, et j'en ai un autre qui me sert pour autre chose. Ma souris, en fait, disparaît. Vous, de l'écran. Vous, si vous en avez qu'un seul, en cliquant donc Options et en cliquant dans Paramètres généraux ici, vous avez ici défilement sur les bords. Donc moi, vous voyez, elle est activée, mais ça ne change strictement rien. Pensez bien à valider à chaque fois que vous faites quelque chose. Voilà. Là, vous voyez, ça ne change strictement rien pour moi. Mon jeu est toujours configuré de toute façon. Enfin voilà quoi. Genre, en fait, je suis en mode fenêtré, moi, ça s'appelle. Tel que je suis là à l'heure actuelle. Et je n'ai pas le choix. Si je me mets en mode donc défilement sur les bords plus. Donc je vais recliquer cette case-là, même si ça ne change rien pour moi. Et il n'y a pas d'autres réglages de toute façon. Ici donc dans graphisme, si vous activez le mode plein écran, là ça va changer quelque chose pour moi. Vous allez voir que là je vais retrouver le défilement sur les bords. Mais par contre, la qualité vidéo au niveau de la couleur de l'image va être beaucoup plus sombre. Vous allez le voir tout de suite, hein. Donc on va l'activer. On pense à valider ici. Tac. Et là, vous allez voir. Voilà, beaucoup plus sombre. Alors moi en jeu, sur mon écran d'ordinateur, ça ne change rien. C'est juste sur le logiciel de capture OBS que c'est plus sombre. Alors je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Et c'est bien d'ailleurs pour ça que ça m'embête. Là, vous voyez, si je vais sur le côté, tac, je peux défiler sur les bords. Donc ça m'embête bien, parce que moi j'aimerais jouer comme ça. Mais le problème, c'est que je pense à vous derrière. Si vous y voyez rien, c'est pas une avance. Et de toute façon, niveau luminosité dans les options, il n'y a rien d'autre, hein. Donc ça, c'est votre taille d'écran, bah, vous la configurez telle que vous avez comme la taille de votre écran. Donc moi je suis en 1920 par 1080. Et vous voyez, moi j'ai du 5760 par 1080. Ça, c'est mon affichage surround de trois écrans en fait. Et si je mets ça, ah ben alors là, ça va vous étendre l'image, c'est moche quoi. Donc c'est pas possible de jouer comme ça. Puis après, bah, les autres, ça vous met tout simplement une taille d'écran plus petite. Alors après, j'avais regardé ici, là, le taux d'actualisation de la fréquence en Hertz, là. J'ai essayé de faire les changements. Donc je l'ai laissé par défaut parce que du coup, ça ne change strictement rien non plus. Donc voilà. Et puis sinon, bah, au niveau des autres réglages, vous voyez, de toute façon, après, je suis réglé. Tout est au max du max. Donc je vois pas après qu'est-ce qu'on peut régler d'autre qui changerait après au niveau de la couleur, quoi. Là, je sais pas. Donc si vous avez des possibilités, enfin des solutions à ce problème, bah, n'hésitez pas. Ça m'intéresse. J'ai pas regardé après sur internet, hein, ni sur les forums, ni quoi que ce soit. Je me suis pas embêté à chercher ça. Donc moi je vais malheureusement continuer à jouer comme ça. Donc ma foi je suis contraint, vous voyez, de déplacer ma souris comme ça. Bon, je vais essayer de me faire à ça. Et puis ma foi, bon, on va quand même jouer. De toute façon, ça ne changera rien. Donc voilà. Et sinon, alors ça n'a rien à voir avec les réglages. C'est juste aussi pour. Pareil, Eline qui m'avait dit. Je sais pas si tu as vu dans la vidéo précédente. Il y avait une bagarre qui avait eu lieu à la sortie du cinéma, et effectivement, tu as l'œil parce que je ne l'avais pas vu. Donc, bravo à toi de l'avoir vu. Effectivement, si vous regardez, alors je ne saurais plus vous dire à quel moment c'est, mais effectivement, c'est à la sortie du cinéma, devant le restaurant, je crois, ou la librairie, je ne sais plus ce que c'est, le truc qui est à côté. Et vous pouvez voir, oui, deux Sims qui se battent. Alors, je ne sais pas du tout qui c'est. J'ai regardé un peu vite fait comme ça, en visionnant la vidéo, en voyant justement tout ça. Je ne saurais pas vous dire qui c'est. En plus, il y a surtout qu'il ne se passait rien de spécial. Ils sont arrivés l'un en face de l'autre et ils se sont battus. Bon, parfois c'est comme ça. Bref,
Mais enfin, bravo à toi de l'avoir vu. Comme quoi, quand on est concentré dans ce qu'on fait, on ne fait pas attention à tout à l'écran parce que, bah, vu que moi je joue et que j'étais concentré dans ce que je faisais, plus dans mes interactions, tout ça, à choisir, et bien du coup, c'est vrai que j'avais pas fait attention à la baston qu'il y avait eu lieu. Bref, bref, bref. Allez, trêve de bavardage, on continue notre petite aventure. Alors, petite aventure avec du nouveau, avec de la nouveauté. Alors, bien sûr, là, comme ça, à première vue, ça ne se voit pas. Puisque je vous ai installé, comme je vous l'avais dit à l'épisode dernier, donc un kit d'objets. Donc le plus vieux en date, hein, celui qui est sorti juste après l'extension qu'on avait pu voir, donc qui était tout simplement Destination Aventure. Et donc là, on se retrouve avec un kit d'objets qui s'appelle Inspiration Loft. Donc j'ai installé le CD. Et je vais pouvoir vous montrer, alors brièvement, vite fait, mais ça va commencer d'être un petit peu plus intéressant pour notre Sims. Car ça apporte surtout du mobilier et puis c'est quasiment tout. Donc on va regarder ça. Alors qu'est-ce qu'il nous disait dans la boîte? Offrez à vos Sims les plus beaux appartements tendance. Alors c'était bof bof finalement parce que les appartements n'avaient pas encore lieu à ce stade de l'aventure. Hein, si vous preniez les Sims 3 vraiment à l'époque du début et que vous installiez les kits et les DLC, les extensions au fur et à mesure, bah les appartements n'existaient pas pour le moment. Donc, bref, ma foi, on a installé ça quand même. Je vais vous montrer donc du coup dans le mode achat, c'est là qu'on y verra le mieux, qu'est-ce que ce petit kit d'objets nous apporte. Alors j'espère que la musique va pas nous casser les oreilles. Normalement non. Donc pour voir un petit peu vite fait et au plus rapide ce que les extensions vous apportent. Moi, je vous conseille d'aller ici plutôt que de regarder pièce par pièce. C'est beaucoup plus facile et vous avez comme ça directement tout ce que le DLC en question vous apporte. Donc, vous allez ici dans les collections et vous retrouvez voilà des petits dossiers avec les icônes. Donc, ce sont chaque extension de jeu en fait est classée là-dedans et comme ça vous pouvez voir directement ce que ça apporte. Donc, nous, celui qui nous intéresse, c'est celui-ci. Voilà, les Sims 3 Inspiration Loft Kit. Là, c'est juste parce que pour le DLC Destination Aventure, si je clique dessus, bah, il y avait tout. Donc le DLC nous avait apporté tout ça. Mais après, c'était classé aussi par pays. Vous voyez? Al Simara, là. La Shang Sim, là, où c'est qu'on est allé en Chine. Et enfin, Shanli Sims en France. Donc nous, on va aller voir celui-ci. C'est comme celui-ci qui nous intéresse le plus. Donc voici ce que le DLC nous apporte. Donc on va y passer vraiment vite fait. Hein. Mais vous voyez, c'est principalement du mobilier. C'est même que du mobilier. Il y a peut-être des portes aussi. Ouais. Alors on va regarder ça. Alors celui qui est en rouge ici, c'est tout à fait normal. C'est juste parce que je n'ai pas assez d'argent pour me l'acheter. Sinon, vous voyez, j'ai de l'argent assez pour tout. C'est une télé murale apparemment qui doit être immense. J'imagine. Ah oui, elle est grande. Donc pour le moment, on ne l'a pas assez. Sinon, qu'est-ce qu'on a? Un support de lavabo. Ouais, donc c'était pas mal, hein. C'est plus un peu. C'est un peu Ikea en fait ce DLC. Hein. Moi c'est comme ça que je l'appelle. Ça c'est quoi? C'est un chiotte, ouais. Ça doit être une douche. Ouais. Une baignoire. Donc vous voyez, c'était plutôt complet, assez stylé. D'ailleurs, ça s'appelait Inspiration Loft. Hein. Un guéridon. Enfin voilà, on va vraiment passer vite. Table basse. Un bureau. Des lits. Donc ça c'était un truc, je crois, qui était mis pour le temps d'anniversaire des Sims, faut je sais pas quoi, un bonus en plus. Des fauteuils, canapé, fauteuil, une chaise de bureau. Ça, je sais pas ce que c'est, une étagère peut-être. Enfin, on verra ça. Hein. Un PC, une chaîne Hi-Fi, téléphone. Ça reste simple. Hein. Une horloge, elle est sympa l'horloge, je l'aime bien. Console de jeu, une deuxième console de jeu. Un beau tapis. Ouais, c'est un tapis de course. Un aquarium. Ouais. Une guitare. Qui d'ailleurs, je crois, faisait partie aussi des trucs en plus. Il me semble. Un feu galet. Ouais. Une lampe. Donc c'est bien sympa, ma foi. Carillon. Pot de plantes. Donc plein de petites choses pour décorer votre maison. Ouais, là on est plus dans les décos, les bibliothèques. Une commode, clôture de verre, ouais. Et là, on arrive aux portes. Voilà, puis on a fait le tour. C'était peu fourni, mais bon, ça reste qu'un kit d'objets. Hein.
ne l'oublions pas. Donc bah voilà, on a la possibilité de s'acheter ça à partir de maintenant. Donc on se remettra bien entendu un prochain DLC, un prochain ce sera une extension entière hein, la prochaine qu'on mettra, ce sera je vous dirai de toute façon ça en temps voulu. Bon, on va jouer quand même un petit moment comme ça là. On va refaire encore je pense au moins 5-6 épisodes comme ça. Et puis après j'installerai histoire d'avoir de nouvelles choses à faire. Allez, c'est parti, cette fois-ci on se lance dans le jeu. Donc nous avions notre Jérémy National qui s'était réveillé. Donc on est reparti. Faisons un petit peu le tour vite fait. Donc il lui reste 389 jours avant de vieillir, ok. Au niveau relationnel, alors il y avait un peu du tout et rien. On s'entendait bien avec la Pauline One, mais bon, finalement, je pense qu'on va être un peu dans la mouise avec elle. Parce qu'elle a déjà un partenaire hein, qui est Hank. Donc ma foi, il faudra qu'on revoie nos plans. Au niveau de la carrière, on a le boulot dans 2 jours. Donc on va déjà essayer de profiter du restant de nos vacances dans cette vidéo. On va essayer de faire 2-3 trucs. On a notre jardin à s'occuper qu'on avait fait à l'épisode dernier. Au niveau des compétences, il faudra qu'on voit ça, des trucs de notre inventaire, les opportunités. Bah, il nous reste juste les punaises assassins, mais qu'on n'a pas pu terminer. Et puis voilà. Donc là, il a faim. On va lui faire faire son lit. Et on est reparti, on joue. Allez, go! Alors, et bah, tu vas aller prendre ta douche. Et on est reparti de plus belle. Les céréales. Donc normalement vous avez la luminosité qui est bonne vous là. Si je vérifie bien, mais oui sur le logiciel de capture moi je suis bon. Donc je ne saurais vraiment pas vous dire pourquoi ça fait ça et comment je peux résoudre le problème. Moi j'ai essayé là plusieurs fois les différents réglages possibles et je ne vois pas. Je ne vois pas. J'ai même essayé de changer d'écran de passer le jeu sur un autre des écrans, pas de le laisser au milieu, je l'ai mis à gauche, ça change strictement rien. Le logiciel de capture me prend du sombre. Alors là, je sais pas. Bref, c'est pas bien grave. Donc là, l'objectif, ouais, c'est d'aller jusqu'au retour travail, et puis je pense qu'à l'épisode prochain, on repartira sur notre boulot de... On est analyste de fertilisant, je crois. Il me semble. Ouais, c'est ça. Donc là, samedi, dimanche, de toute façon, on bosse pas. Mais 2 jours, ça se trouve, on va rebosser que mardi. Je sais pas trop comment que ça va tomber, on verra bien. Bon, qu'est-ce qu'on va lui faire faire à notre Sims? J'aurais bien qu'il aille justement peut-être s'acheter des trucs. Le problème, c'est que faut qu'on s'occupe du jardin aussi. Hein. Oh, bah, on va s'occuper du jardin ce matin. Parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de... Oui, du coup, faut que je me refasse au défilement. Alors, c'est parti. On va y arriver quand même. Parce qu'apparemment ça a poussé par ici. Laitue. Oui, on peut arroser. Allez. Je t'ai désherbé. Alors je pense que quand on fait entretenir le jardin, je suppose que ça fait arroser. On va voir. Allez, depuis le temps que tu le voulais, ton jardin, eh ben tu l'as. Et d'ailleurs, on pourra se replanter des nouvelles choses. On a des graines de pommes. Le problème, c'est que ça va nous faire des arbres, les pommes. C'est ça qui me fait chier. Ça, on peut pas. Non. Bon, c'est pas grave. Ok, donc tu arroses. Et je veux pas planter le pommier, moi. Échappe. Voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. Alors, mais il en met du temps pour arroser 3 plots de salade là. Purée. Et donc en fait il arrose tout quand... Ouais c'est bon, il fait tout. Désherber, arroser la plante. Donc là on a eu avoir fini. Pas de zonx. Ouais. D'accord, donc entretenir le jardin je suppose que ça fait tout. Ok. Est-ce que ça on peut faire quelque chose avec? Non. Ça marche. Ah bah y'en a de la mauvaise herbe à mon grand. T'as voulu un jardin, tu l'assumes. Mais ça c'est des plantes de salade. Voyons. Qualité normale, qualité normale. État de croissance à pousser. Ok. Bon. Et bah c'est bon. Allez, va nettoyer ton assiette. Maintenant.
Est-ce qu'il y a du ménage à faire? Tiens, il y a le journal aussi. Oh oui, il y a du ménage. Alors hop, journée ménage. La gazinière. Ouh là là. Il va y avoir à mon avis aussi des poubelles à sortir. Le chiotte à nettoyer. Quoi qu'avant de sortir les poubelles, on pourrait presque jeter ça. Là, on va se détacher notre coupon de réduction, comme d'hab. Et on est parti, on accélère le jeu. Le temps qu'il fait son ménage. Ouais, qu'on se trouve une petite occupation donc pour l'après-midi. Qu'est-ce qu'il me reste dans le frigo? Oh, bah ça va, il y a encore de quoi faire. Pop, 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 pop. On n'est pas prêt de retourner en course. Très bien. Bah c'est vrai que le matin déjà je lui fais faire beaucoup de repas rapides donc. Et là il y a toujours notre nourriture déshydratée qui attend. Allez, poubelle. Et donc sortir les poubelles cette fois-ci. Facture, non. Ouais, ça y est, je commence à m'y faire quand même à cette histoire de souris. C'est vrai que c'est quand même plus chiant, mais bon. C'est comme ça. Je sais pas comment on pourrait faire pour se mettre bien dans la maison. C'est de la laitue à n'importe quelle épicerie. Ouais, bah ça, on pourrait éventuellement l'utiliser. On va aller voir s'il y a quelque chose à faire à extérieur. À ce compte-là. Bon, ouais, profitons-en. On n'est pas trop mal niveau. On va lui faire faire un pipi avant de partir. Oh, mais attendez voir. C'est la belle blondasse qui habite à côté de nous. Ah non, pars pas! Non! Kéton. Ah, ça, c'est bon à savoir. La voisine, elle est plutôt mignonne. Bon, alors, faisons pause. Et allons voir le vu plan. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va quand même pas aller au cimetière. Ça, c'est le travail. J'avais pas des bons coupons de réduction pour le sport là. 20% sur le soin. Ah ouais, non, mais ils sont chers, ça va me passer tous mes sous. Mais oh, vous êtes fous, hein. On peut faire un soin du visage à la boue pour 200. Ben, on peut faire ça. Utiliser le coupon de réduction. Allez, comme ça, on va l'utiliser. 200 balles, ça va pas nous ruiner. Allez, let's go. On va aller faire un soin du visage à la boue. On va dire qu'on l'a eu en cadeau dans une smartbox. C'est parti! Alors, c'est là. Alors, qui sont ces gens? Mathilda Molino. Et toi? Touriste. Ah, mais c'est que des touristes. Oh là, ils vont encore se battre, attendez voir. Ah, ça, c'est notre patron. Bogdan, je crois. Ouais, c'est ça. Bon, qu'est-ce qu'on va faire après? Pour aller à la salle de sport, ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé. J'ai même plus où c'est. Et qu'on regarde, on va attendre que le soin se fasse. Ben, j'espère que je vais pas payer le prix fort. Ah non, a priori 200 parce que j'étais à 7500 et des bananes, donc ça doit être bon. A priori, ça doit être bon. Il en sort du monde d'à côté. Il a dit donc qu'il faisait ce cirque là-dedans. Un foyer, ça. Ah, c'est le foyer colocataire. Ok. Allez, on va sortir. Une journée à se chouchouter. Jérémy Finot a décidé de passer du temps au spa. Il se souviendra toujours de son massage des pieds pendant son
Hein? Massage des pieds pendant son corps était enveloppé d'algues chaudes. Oh, on a déjà eu cette interaction-là. Allez! On va essayer donc de se diriger à la salle de sport. Faut juste qu'on retrouve où c'est. Parce que je sais plus. Alors, la piscine. Piscine bleu azur. Bon, je sais plus. Si, c'est là. Gymnase. Allez, on est parti. On va aller rigoler un petit peu. Oh, tu vas y aller à pied quand même, non? Eh ben non. Quel feignasse celui-là. Bref, faut qu'on entretienne notre corps parce que on l'avait bien fait maigrir. Alors poursuivons nos efforts. Alors, on va monter d'un étage. Voilà. Nous y sommes. Est-ce qu'on ferait de la piscine? Oh, on va monter en haut, c'est plus marrant. C'est là qu'il y a tous les gens comiques. Il y a toujours 50 000 gamins en principe. Allez, on va courir un petit peu. Je pense qu'on est en mesure, à mon avis, de faire du bon rythme maintenant. Normalement, on ne devrait pas tomber. Oui, regardez-le. Alors, on va faire bon rythme. Alors, Erin Kennedy, Gunther Gothique, ça c'est la dentelle. Oh bah, elle a bien gothique, elle, oui. Elle a bien l'air. Effectivement. Ah, ça y est, elle est tombée. Qui se sert de cette baignoire dans ce truc, vous allez me le dire? Allez, on va se calmer un petit peu. Ok. Ça sera déjà très bien. Allez, arrête-toi. Tac. Ah, rien d'autre à faire en haut. On va faire un petit peu de piscine. Et puis ensuite, on va aller se prendre un petit encore dans la cuisine. C'est offert par la maison. Alors on en profite. Plouf! Fais-moi de la place, Agnès, la dentelle. Est-ce qu'on peut la couler? Non, on peut pas. On peut faire un concours de retenir sa respiration. Allez, on va faire ça. Lequel va tenir le plus longtemps? Ça se trouve, elle est douée. Hein. Bon, je pense qu'on peut mourir en faisant ça. Oh putain, elle tient bon! Elle tient bon, elle tient bon! Ah, c'est bon, on a gagné! Oui! Et par contre, faut remonter, mon grand. Ah, ça y est! Bravo! J'aimerais mieux vous connaître. Oh bah d'accord. On a une touche les amis avec Agnès la dentelle. Moi je l'aime pas l'Agnès la dentelle, moi je la trouve pas. Mais je crois qu'elle est vieille en plus. Bon cela dit on peut quand même la connaître. Tiens, on va l'éclabousser pour la peine. Ça va peut-être pas lui plaire. Attention. Oh ça va, elle a pas l'air de. Elle a pas l'air de trop mal y prendre. Du coup, j'imagine qu'on doit l'avoir dans notre liste d'amis. Oui. C'est une inconnue. On peut faire connaissance avec elle après. Rien ne nous en empêche. Allez, tiens, on va se détendre.
J'ai dit se détendre. Ah, je suis obligé d'arrêter ça, je pense. Ouais, est-ce qu'il commence d'avoir faim? Alors, qui sont ces gens ici? Aaron Archie. Ah oui, c'est vrai, il y a la machine à café ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre? La soupe en boîte. Non, mais nous, ces portes. Oh, juste dehors, il y a un petit balcon, c'est tout. Oh, bah, je veux manger tout seul. Oh. On a pu manger avec moi, Agnès. Et bah, je pense qu'on va rentrer. Il est déjà 20h. On va passer une petite soirée tranquille ou à la piscine. On aura fait la connaissance de Agnès. Oui, nettoie sa table. Oh, ça fume ton truc là. Ah oui, il est en train de débarrasser. Oh mais non. Il débarrasse même l'assiette des autres. Oh, mais j'y crois pas. Allez hop, on rentre à la maison. Après. Et c'est parti. Petite soirée tranquillou. Bon bah demain on va essayer de faire des trucs autres. On sera dimanche, ben genre de la pêche par exemple, ça fait un petit moment qu'on n'y est pas allé. Parce que je rappelle qu'à la base il est beaucoup pêcheur notre cher Sims. Ah ouais, on est juste à côté de la salle de sport en fait. Mais vraiment tout à côté. Ok, alors. Donc on a mangé. On va aller prendre une douche du coup parce que on n'est pas Jojo. Et puis on va passer la soirée à jouer à la console. Ouais, bon, on va être bon. Qu'on change notre télé, faudrait qu'on regarde justement. Bah, par rapport au DLC que j'ai mis, qu'est-ce qui serait pas trop cher? Pardon. Qu'est-ce qu'il y a comme télé qui est pas trop cher, à mon avis, avec celle-là hein. Ouais, y'a que ça. Attendez, voir. Là, c'est par pièce. Salon. Télé. Nous, on a celle-là à l'heure actuelle. Y'a ça qui est un peu mieux. Coûte 1200 balles déjà, ça. Ah, si, c'est une télé aussi, ça. Ah, ça coûte 5000. Ouais, bah la télé on oublie hein, pour le moment. Les consoles du coup, il y en a plein maintenant. Nous on a celle-là. C'est la PS2 nous qu'on a. Ok. Bon bah on va économiser. Mais bon, on a tellement de choses à s'acheter que il va nous falloir beaucoup d'argent. 22h38. Ouais. Et bah allez, joue un petit peu quand même. Et au lit après. Est-ce que nos salades sont ressalies? Bon, ça va. Ça tient quand même un peu. J'ai l'impression. Allez, c'est pas mal. Ah, téléphone. On va répondre. Ah, bah c'est Pauline. Il est un peu minuit, ma grande. Je veux pas dire, mais voilà quoi. Alors, qu'est-ce qu'elle veut? Envie de discuter. Oui, bah, vite fait. Hein.
parce que je t'aime bien, mais voilà quoi. Jibla dong. Ziplou. Bon, après cela dit, on peut piquer les copines des autres. Hein. Réellement, ça arrive. Hein. On n'est pas obligé de respecter tout à la lettre. Hein. Après tout, il y a des couples qui se séparent pour se reformer d'autres et tout. Hein. Bon, après, pour le moment, voilà, j'attends. De toute façon, on n'a pas d'urgence. Hein. On n'a pas d'urgence dans les conquêtes de Jérémy. Je vous dis, on n'est encore pas prêt de fonder la famille idéale. Hein. Il y a le temps. Allez dormir. Et on se retrouvera donc le dimanche matin. Allez, bonne nuit. C'est étonnant qu'on ait jamais eu de cambriolage. En général, dans les Sims, vous en avez toujours un dans votre début de partie. Et là, j'en ai pas eu, c'est étonnant. Même avec le détecteur d'alarme. C'est une ville calme. Il n'y a pas de voleurs. Bon, c'est bien. Hein. Parce que des fois, même avec ça, le mec, il arrive quand même de vous piquer quelque chose. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est dédommagé par l'assurance quand on a ça. Que s'il n'y a pas le détecteur d'alarme là, et ben le gars il vous embarque quelque chose mais vous n'êtes pas dédommagé. Enfin normalement non. Sauf si vous appelez les flics et que les flics ont le temps d'arriver, mais bien souvent ils ont pas le temps d'arriver. Ah là le petit postier. Allez debout, il est l'or. Qu'est-ce que c'est l'interaction? Appelez Maya Wang. Oui, si tu veux. Allez, fais ton lit. Est-ce qu'on pourrait se manger quelque chose de mieux? Pancake. Allez, tiens, c'est dimanche. Tant qu'on utilise ce qu'on a quand même. Pour lui faire manger des céréales tout le temps. Voilà, aujourd'hui c'est petit déjeuner en slip. Il est beau maintenant notre Sims. Regardez, il a quand même une bien meilleure carrure. Faudrait qu'on voie aussi pour la barbiche et tout ça pour... Oula, ça a été vite, pardon. Pour le changer un petit peu. Oh, ça va brûler, mon ami. Oh non, c'est bon. C'est pas brûlé. Ah si, un petit peu quand même. Oh, oui, c'est pas facile hein, la cuisine. Oh bah non. Oh, c'est pas grave, ce sera bon quand même. Allez. Mange. Donc du coup, ça, c'est à recycler. Détacher celui-là. Bah puis à la rigueur, on peut lire les nouvelles de la semaine. Bon, j'aime bien de temps en temps lire, c'est bien, c'est marrant. Qu'est-ce qu'il dit là? Démissionner? Ah non, sécher le boulot. Oh, bah non, non. On a besoin d'argent, mon ami. Quand même. Hein. Même si on a déjà un peu de sous. Non, non, faut qu'on continue. Si on veut s'acheter une maison, etc. plus tard, il nous faut de l'argent. Parce que là, je te rappelle quand même que ça fait plus d'une semaine que tu gagnes rien. Donc, c'est bien joli les vacances. Normalement, on devrait être payé. Alors, le calice des Lichen à n'importe quelle librairie. Ok. Donc, c'est un truc pour le livre. Ça marche. Grillinton du quartier. Ah bah c'est aujourd'hui de 13h à 20h. Plage de la vieille jetée. Tournoi d'échecs. On devrait regarder ça en fait. C'est mardi à cet endroit, vallée du bois. On peut aller au grilloton. En plus, c'est l'heure.
Donc c'est à la plage de la vieille jetée, c'est ça qu'ils ont dit? Ah oui, griller un thon. Eh ben allons-y! On va peut-être rencontrer du monde. Ça nous fait utiliser les petites interactions de la ville. Profitons. De toute façon, je voulais aller à la pêche à la base. Alors, voyons voir. Le conseil municipal organise. Ouais, ça, on avait lu. Tous les Sims ayant la compétence cuisine sont invités à venir pour griller de la nourriture et la partager avec les autres afin d'encourager la gentillesse et de rapprocher les Sims de leurs voisins. Objectif, griller 5 fois pour améliorer la relation avec les banlieues Sims et recevoir la récompense du spécialiste du grill. Simflouz, ah ah, ça m'intéresse. Eh ben allez, on va griller un thon. Il y a un jeu d'échecs. Il y a un bar. C'est où que ça se fait? Ici. Hot dog, bah on n'a pas trop le choix. Allez, on va faire du hot dog. Servir ce plat, ouais, c'est bon. Tiens, petit, viens manger des hot dogs. Tu vas voir, ils sont bons. Attendez, voir, je sais pas si je suis au bon endroit. Ah, si, c'est bon. Acheter la propriété? Oh non, c'est bon. 34 000 balles, ça ira. Hein. Bah, y a du monde. Qui veut des hot dogs? Un pommier. C'est énorme en faire griller 5. Ça me paraît beaucoup, moi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des petits jeunes. Veji Alvi. Plenosas. C'est une vieille grand-mère, Plenosas. Tiens, les hot dogs sont prêts. Encore des gamins, il n'y a que des gamins en fait. Bon bah moi vous m'en voudrez pas, mais j'en prends une assiette. Hein. Même si j'ai pas faim, c'est de la gourmandise. Prendre une assiette nettoyée, ouais. Donc, bon, apparemment c'est les gens se servent comme ils veulent. Ah tiens, viens manger du thon, enfin des hot dogs. Mais tu pues, ma chère. Vous êtes venu en courant de l'autre bout de la ville, je sais pas. C'est qui elle? Erin Kennedy. Allez, on va aller se détendre sur la plage abandonnée. Bah lui aussi, tiens. Bah les miens sont meilleurs. Encore un pommier. Oh 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 oh. Ah, elle va aller chercher un thon peut-être, enfin un truc. Ah non, elle va faire griller aussi. Bon, bah ma foi. Le repas grillé 1 sur 5. Bah oui, mais yon. Regardez-moi ça, il a fait cramer sa bouffe lui. Des sandwichs américains, voyons. Bah, on peut refaire griller autre chose, mais. On va faire du tofu dog cette fois-ci. Comment voulez-vous qu'on en ait 5 jusqu'à 21h? C'est impossible. Pas vous faire que ça, quoi. Bon, faut peut-être qu'on sera le meilleur quand même. Ah, c'est déjà occupé, madame, ici. Ou aller ailleurs. Chacun son tout. En plus, pour faire de la cuisine comme vous avez fait avant, nous merci. Hein. Qualité mauvaise. Bah, tu m'étonnes, oui. Catastrophique, même. Vous pouvez même aller se servir un cocktail. Tiens, on va préparer les boissons. Voilà. Tiens, par terre. C'est bon, vous pouvez y aller, c'est libre. Regardez-moi ça, il y en a partout. Des assiettes par terre, des plats. Oh bah là aussi c'est catastrophique, oh la vache.
Il y a du jus de fruits. Il n'y a pas d'alcool, j'ai l'impression, dans les Sims. C'est que du jus de fruits. Hein. Ouais, je suis déçu, il n'y a pas beaucoup de monde. Bah, je peux faire tout le temps que la même chose. Bon, bah tant pis. On a fait les deux spécialités qu'on connaissait. Hein. Une fois, on fera pas plus. Oula, elle est partie où en courant, elle? Elle est partie se noyer? h. Bon, allez, on va faire un petit bain. Mais vite fait. Hein. Vous avez quitté le terrain avant la fin? Oh, j'ai quitté le terrain et je suis au bon truc. Hein. Comment espérez-vous participer si vous êtes même pas là? Bah, vous rigolez, là. C'est pas cool. Je suis juste à côté et... quand même pas poussé. C'est qui, ça? Tamara d'honneur. Oh, puis je m'en fous. Pas grave. Pour se prendre la tête pour un tofu dog. Voilà, vous m'avez contrarié. Parce que c'est ça, je rentre chez moi. Débrouillez-vous avec vos tons. En plus, c'est moi qui devais gagner parce que c'est moi qui avais fait la meilleure bouffe. Franchement. Allez, sort de l'eau. Et puis on rentre à la casse-bas. Là-bas, il y a les poteaux de Koh-Lanta. Je pense pas qu'on puisse faire quelque chose d'ailleurs avec. Non. Ah si. Non, non, c'est l'eau. Toi, tu vas y arriver de rentrer ou pas? Aidez-le. Il y est quand même. Ah, vas-y. Hein. C'est pas trop tôt. Elle va être contente, le chauffeur de taxi. Tu rentres là-dedans en maillot de bain tout mouillé. Va nous faire payer le nettoyage. Hein. Ok, nous sommes arrivés. 21h. Alors, est-ce qu'on bosse demain? Dans un jour, 13h. Donc non, on bosse encore pas demain. Donc ça va. Allez, douche. Bon, pour le reste, on n'est pas trop mal. Hier, on peut passer un coup de fil. Ah, qu'on fasse aussi organiser une fête, quelque chose, un jour. Ça pourrait être sympa. Inviter des visiteurs étrangers. Ah, c'est pareil, ça serait sympa, ça. Notamment la fameuse demoiselle là qu'on avait rencontrée en Chine. Comment elle s'appelait donc? C'est elle? Sung Yung King. Ouais, faudrait qu'on l'invite à venir passer quelques jours chez nous. Ouh, t'es pas chaud. Bah tiens, on va appeler Agnès la dentelle, puisqu'elle veut qu'on fasse connaissance. Allons-y. Mais il me semble qu'elle est déjà âgée. Elle. Enfin, ça doit être une adulte déjà. C'est sûr. Tiganog. Anujib wasasi. Bon, vous allez drôle. Gerblefort Kurgi, Jubiwa, Zimziwa, Maga. Donc ça veut dire qu'il nous restera encore une journée. Ouais, quasiment le temps de la faire avant la fin de la vidéo. Si on se dépêche, on est bon. Parce que là, on n'a rien d'autre à faire, de toute façon. Donc on va aller dormir.
Ah, ça y est, c'est devenu une connaissance. Parfait. Donc ça monte un petit peu. Allez, je vais accélérer un petit peu le temps, histoire que la dernière journée puisse se faire dans cette vidéo. Comme ça, à partir de l'épisode prochain, on devrait pouvoir reprendre le chemin du boulot. Normalement, là, on va être sur la dernière ligne droite. Hein. Niveau horaire. Faut que ça se trouve, avec un peu de chance, on va même pas bosser. Ah si, on va travailler mardi, normalement. Le mercredi, après, on est en repos. Oui, c'est vrai qu'on a 3 jours de repos finalement dans la semaine. C'est bien ça. Hop là! Ah bah oui, tu vas acheter une télé, bah oui. Acheter un objet, l'objet de type télé. Bah oui, mais j'aimerais bien, mais putain, ça coûte cher, mon grand. Quand t'auras des sous un peu, oui. Mais là. On pourrait, hein, mais. Ça fait Redos. Allez, céréales. Encore du temps, de toute façon. Encore le temps de faire plein de choses. Notre jardin, ça donne quoi? Arroser la plante. Bah écoute, on va aller entretenir le jardin. Comme ça, normalement, il devrait tout faire. Mais ma foi, ça m'a l'air de plutôt bien pousser. Je suis un peu sceptique sur les salades, mais sinon... ça ressemble pas trop à des salades, ça, mais bon. Après, dans les Sims... Mais j'y crois pas, il est sorti en slip pour aller faire son jardin, non mais... Vous y croyez? Ah bah c'est vachement la tenue adéquate pour aller faire du jardin. Arrivera dans environ une heure. Non, je suis pas d'accord. C'est demain le véhicule de covoiturage. Pas aujourd'hui. Ah, il y avait un peu de désherbage à faire apparemment. C'est pareil, j'aimerais bien y acheter une voiture ou quelque chose. C'est pour ça que je me méfie un petit peu sur l'argent. Je sais plus quoi elle coûte la voiture la moins chère, mais elle est quand même pas donnée. Hein. Celle-là, le vieux taco, 950, quand même, 1000 balles. Quoi. Bon, la place, on l'a déjà, donc. Après, pour essayer de passer au modèle d'au-dessus, 1200, il n'y a pas une grosse différence. Alors après, les dernières, pff, vous oubliez, hein. Bon, on verra ça. Bon, je pense qu'on aura bientôt des récoltes. Bah, peut-être épisode prochain d'ailleurs. Justement, bon, tu vas me faire le plaisir d'aller te changer en comme ça. Quand même pas mal. Ah, il y a le facteur qui est passé. Oui, bonjour, je suis en slip, mais ne prenez pas peur. Les factures 96. Allez, on paye. Comme ça, c'est fait. Et allez donc. Il avait dit que c'était qui voulait appeler Maya Wang. Ben allez, on va te faire ton souhait. Discuter. Je sais pas si je peux l'appeler après par contre, mais je pense que si. Eh ben non. Non, non, non. Je ne peux pas. Alors sauf si je vais là. Discuter à longue distance, je pense que ça marche. Voilà. Oh, t'es en retard le facteur ce matin. Qu'est-ce que c'est?
Erin Kennedy voudrait cuisiner une recette spéciale à la maison, mais uniquement avec des produits frais du potager. Malheureusement, Erin Kennedy ne sait pas jardiner. Faites pousser 5 bons fruits ou légumes pour Erin Kennedy et livrez-les pour gagner de l'argent. Bah moi je veux bien, mais je sais pas si j'en aurai 5, hein. Mais sinon oui, pourquoi pas. Avec plaisir, puisque j'ai un jardin. Pas de problème. On va te mettre ça là. Mais je te promets pas qu'on va t'acheter une télé. Ah. Allez. Il y a des poubelles à sortir. Alors, attirance magnétique à n'importe quelle librairie. Ok, peut-être des bouquins, on peut en acheter à fois. Ça, on va recycler. Ça, on va recycler. Et on sort les poubelles. Ensuite, il aurait besoin de prendre une douche. On va faire un pipi tant qu'on est là. Nettoyer tout ça. Là, ça va. Ben, on est pas mal. On va le faire jouer à la console. Puis parfois ce sera des journées tranquilles. Hein. On va dire les vacances à la maison, c'est souvent comme ça. Faites pas grand chose. C'est le but des vacances à la maison. Elle est sale la douche, ça se trouve. Ouais, nettoyer. Bon, tu vas nettoyer avant. Jouer à la console. Ça, on a une maison qui est propre. Avant de repartir au boulot. Il reste combien de temps? 21h, ouais, donc là cette fois c'est la bonne. C'est à quelle heure qu'on se réveille d'ailleurs? Faudra pas qu'on le fasse coucher tard du coup. À 9h, donc le véhicule de covoiturage doit arriver à 8h, j'imagine. Bah d'ailleurs, je crois que quand on a notre propre voiture, on va au boulot avec notre voiture, il me semble, non? Ce sera là aussi tout l'intérêt d'avoir une voiture. Puis même pour se déplacer un peu partout. Ouais, je pense qu'il va falloir qu'on le fasse coucher à peu près à 21h, quoi. 22h grand max. Ça serait pas mal. Il y avait quoi d'autre comme souhait? Faire pousser les ingrédients pour ce plat, ouais, bon, ça on va être bon. Ça, je sais pas. Et atteindre le niveau 6 dans la compétence cuisine. Ouais, bon, on a déjà bien avancé. Il y a encore des compétences qu'on n'a pas. Au jardinage, on est au 2. Ok. Ok. Ça, c'est. Bébé Art ou je sais pas quoi là. Oh, ça y est, je commence à m'y faire petit à petit avec cette histoire de souris là. Mais c'est un sacré coup de main à prendre au début. Bien penser à chaque fois à faire le clic droit, quoi. Mais c'est pas grave. Allez, on va attendre que ton amusement soit bien au bout. Au moins, tu vas repartir correctement au travail, comme ça. Tac. Ouais, c'est bien. Bon, bah on est à peu près à jour, t'as un petit peu faim, mais à la rigueur ça peut attendre le soir. Qu'est-ce qu'on en était dans les bouquins?
Juste pour voir. Là, il était en train de lire le jardinage, ouais. Et lui, je crois qu'on l'avait pas. Parce que normalement, c'est marqué relire quand on l'a lu en entier. Donc, ça se trouve, il l'a pas fini. Oui, il avait juste stocké là. C'est pareil, j'avais dit que je voulais lui acheter un PC. Il y a tellement de choses à acheter. Parce que si on a acheté le bureau, c'était bien pour une utilité. Je me dis. C'est en vitesse 2. Je sais plus ce que j'ai d'autre comme livre après là-dedans. Alors, ça c'est pour les petits. J'ai deux bricolages. La logique. Moi j'en ai plein des bouquins en fait. Non, c'est pour ça que je voulais faire. Bon, même celui-là, je vais le ranger là-dedans. Au moins, il sera dedans. Allez, 19h. Tac. On va juste foutre ton bouquin ici. Comme ça, on sait que t'en es là. On va attaquer la bouffe. Manger ce plat. Ah oui, il y a plein de trucs. Tiens, spaghetti sauce légumes. Voilà, on est sur la dernière ligne droite. Et ça sera très bien. On aura atteint l'objectif qui était de finir les vacances. Après, il va faire sa vaisselle. On vient lui faire faire un pipi. Ou la douche à la rigueur, il a presque le temps de la faire le lendemain matin, après quand il se lève. Ouais, et puis après, ça va être au lit. 22h, je pense que ce sera bien. On sera pas mal. Hop! Allez, demain mon grand, boulot. Oui, on va aller au lit. Allez, brossage de dents. Oh, je le veux pas tout le temps. Et au dodo. Voilà, puis on va aller jusque comme d'hab, jusqu'au réveil. Et on va se quitter là. Allez, faites beaux rêves. Normalement, il devrait avoir assez de temps pour dormir correctement. Et qu'il se lève à 7h, 7h30 au plus tard. Ouais, bah 6h, bah, c'est bien. 10 heures, c'est bien. Travaille dans 6 heures, ouais. Donc c'est bon. On ne se trompe pas de jour. Alors, le jardinage est un loisir amusant et gratifiant, mais vous permet aussi de faire pousser votre nourriture. Non. Plus tard, si tu veux. Voilà. Par contre, il est 7h, mon grand. Ah, ça y est. Véhicule de covoiturage arrive. Allez, c'est bon. Il se réveille. On va le mettre comme ça. Tac. Hein. Et ben voilà, sur ce, les amis, on se laisse ici pour ce 20e épisode. Et donc, épisode 21, ben donc c'est la reprise du boulot. C'est la rentrée. Hein. On va appeler ça comme ça. Et puis, ben je vous dis à la semaine prochaine donc pour la suite de notre Let's Play.
Avec bah ouais, je sais pas trop ce qu'on va faire exactement. De toute façon, ça va être la routine habituelle, hein. Boulot, dodo, etc. Mais bon, c'est nécessaire, ça va nous faire gagner de l'argent, comme ça on pourra continuer de plus belle. Dans notre aventure, on pourra s'acheter des belles choses, notamment avec le DLC que j'ai pu remettre. Allez, bon visionnage cette fois-ci, comme d'habitude, et puis je vous dis donc à la semaine prochaine pour la suite. Salut tout le monde!